on fait du bruit. Manifestation d'aujourd'hui et pour rappeler le rassemblement du 13 novembre dernier, où nous avions déjà estimé notre ras-le-bol par rapport aux conditions de travail qui se dégradent de jour en jour. Depuis, on a eu de cesse d'avoir des mesures stigmatisantes pour notre corps, à savoir un nouveau code de déontologie qui a été validé par Force ouvrière et que nous refusons catégoriquement. Nous constatons de jour en jour des conditions de travail qui se dégradent, une réforme pénale qui vient alourdir un peu plus les procédures et le travail des investigateurs. De plus, nous avons depuis de nombreuses années revendiqué une révision de la légitime défense, chose qui n'est toujours pas faite. Aujourd'hui, la police nationale travaille dans des conditions déplorables et surtout elle fonctionne grâce au bon vouloir des policiers qui malgré tout continuent à faire leur travail dans des conditions, comme je vous ai dit, déplorables. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on revoie le texte sur la légitime défense, qu'il soit un texte qui protège un peu plus les droits des policiers, car il est très très compliqué pour nous aujourd'hui de pallier à des situations d'urgence, et il faut absolument revoir ce texte. Nous, on souhaite aussi revoir la réforme pénale, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alourdit considérablement les procédures, complique le travail des investigateurs et risque de déboucher sur un échec. Donc il est encore temps de revoir cette réforme et il faut le faire rapidement. Alors, c'est vrai qu'on parle en ce moment beaucoup des violences policières, mais on a vu aussi qu'il y avait une recrudescence des agressions sur les policiers. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Concernant les violences policières, c'est un peu ce qu'on veut bien dire, faire dire aux médias en tout cas. Nous, ce qu'on constate, c'est que quotidiennement, des collègues sont agressés, sont blessés en service. On a une recrudescence également des suicides dans la police. C'est essentiellement dû justement à des difficultés de travail, des difficultés sans doute personnelles également. Mais les agressions sur les policiers sont effectivement en recrudescence et il nous faut absolument une protection de notre métier aujourd'hui. Je souhaite que vraiment le gouvernement entende ce qui va être dit aujourd'hui, car à l'aube d'élections professionnelles, on souhaite nous adresser un message fort au gouvernement, car quitte à redescendre encore plus nombreux, nous le referons si besoin est. Pour ces jeunes en formation, ni tout. Nous avons le devoir de relever ce défi, celui d'inverser cette dégradation de notre service public police. Nous avons ce devoir vis-à-vis de vous, celui de tout faire, celui de tout mettre en œuvre pour que nous soyons fiers de notre métier. En refusant de se mobiliser, de mobiliser l'ensemble de la profession dans les rues de Paris, ils ont refusé de montrer votre ras-le-bol. Ils ont refusé de faire entendre votre voix en agissant de la sorte. Ceux qui pouvaient défendre la profession ont tout simplement abdiqué. Ils se sont en fait compromis. Ils ont, faute de courage, d'envie et d'ambition, laisser le choix à l'administration d'engager des réformes, les unes les plus impopulaires que les autres, les unes les plus stigmatisantes et méprisantes que les autres. En fait, ils ont accepté tout cela sans même provoquer le moindre mouvement de protestation, malgré la colère grandissante dans l'ensemble des services. Faut donc que le majoritaire agisse. Nous devons maintenant
agir à sa place afin de retrouver notre fierté, celle d'être policier. Les pouvoirs publics viennent de constater que les policiers sont aujourd'hui prêts à en découdre et à se mobiliser encore bien plus nombreux demain si l'administration continuait à les oublier, si elle continuait à accepter sans réagir la paupérisation de nos services. Et qu'on ne nous parle pas des moyens, surtout pas. Quand on est capable d'embaucher 60 000 enseignants, on devrait être capable d'embaucher des milliers de policiers. Et de rappeler les propos du président de la République lors d'un déplacement dans le Var suite à la mort de deux de nos collègues gendarmes. Il disait: la sécurité, au-delà d'être une priorité, est une obligation. Il faut donc s'en donner les moyens. Eh bien, sachez, mes chers collègues, pour nous, comme pour vous sans doute, les mots ont un sens. C'est donc maintenant que les policiers veulent être mieux considérés. C'est donc maintenant que les policiers veulent être mieux respectés. C'est donc maintenant que les policiers veulent être mieux équipés. Mais après tout, je vous le demande, en exigeant tout cela, Alliance se trompe-t-il ? Alliance se trompe-t-il lorsqu'on dit au ministre que vous êtes chaud comme la braise ? Alliance se trompe-t-il lorsqu'on demande au ministre d'engager rapidement une réforme des corps et carrières, un nouvel élan pour les gradés et gardiens ? Alliance se trompe-t-il lorsqu'on demande la simplification de la procédure pénale ? Totale de la politique pénale, destructrice pour les victimes et démotivante pour les policiers. Et je termine. Pas tout de suite. Car je pourrais continuer très longtemps. Alliance se trompe-t-il lorsqu'on exige du ministre que vous soyez mieux respecté, mieux considéré, mieux équipé? Et s'il faut inviter à se joindre à nous l'ensemble des citoyens victimes de la délinquance et de la criminalité, nous le ferons. Et ce n'est pas Ce n'est pas 9 000 que nous serons, mais bien plus encore. Par le passé, le peuple de Paris a réussi ce qui était considéré comme impossible: vaincre le système tout-puissant. Vous, avec nous, nous devons être capables de réaliser l'impossible. C'est par la force de la volonté, c'est par la force de la conviction, c'est par la force de la détermination que nous réussirons l'impossible. Celui de regagner votre fierté, de regagner votre dignité, de retrouver du respect pour notre fonction. Merci à vous, vive Alliance, vive la police nationale, vive la police républicaine.